Bonjour à tous, nous avons suivi le voyage de deux migrants vers l'Europe et nous les avons interviewés. Pour des raisons de confidentialité, leurs visages ne seront pas montrés à la caméra. Bonjour, pouvez-vous me parler de vous, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Soleiman et j'ai 21 ans. Je viens du Soudan. Je suis venu en France pour avoir une vie meilleure. J'ai un frère Jamal qui est resté au Soudan avec ma famille car il est malade. Dès que je me serai posé en France, que j'aurai mon chez-moi, un petit boulot et de l'argent, je serai fier de le dire à mes parents. Quelle trace a laissé ce voyage sur vous ? Il m'a beaucoup fatigué. J'ai vécu des choses qui m'ont énormément traumatisé. Faire ce voyage sans mon frère m'a donné l'envie d'abandonner plusieurs fois. Mais heureusement que j'ai rencontré Boubacar. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai très peur de repartir au Soudan. En plus que le voyage a été dur, je suis sans ma famille, ce qui est encore plus difficile. Pourriez-vous retourner au Soudan ? Non, je ne pourrais pas. La vie là-bas est très difficile. J'irai de temps en temps pour rendre visite à ma famille, quand je serai vraiment bien installé en France avec tous mes papiers. Mais si j'y retournerai pour de bon, ce sera pour y passer les derniers moments avec ma famille, quand mon père et ma mère meurent. Et j'y retournerai avant de mourir. Je préfère passer mes derniers moments dans mon pays natal, autour de mes proches. Avez-vous eu des nouvelles de vos proches ? Pas récemment, mais on se tweet de temps en temps pour se donner des nouvelles. En arrivant en France, la première chose que j'ai fait, c'est les appeler. Après, on s'appelle, pas souvent, à cause du décalage horaire. Ils me manquent énormément, j'espère qu'ils vont bien. Si ils vont regarder cette interview, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Si vous voulez voir nos tweets et le détail de mon parcours, allez voir sur mon Twitter, @soleimaneldo. Combien de temps a duré votre voyage ? Sincèrement, je n'ai pas compté, mais il a duré très très longtemps. Assez pour me rendre compte que j'étais loin de tout et que j'allais prendre un nouveau départ. Bonjour, je suis actuellement avec Boubacar, l'ami de Soleiman, qui l'a accompagné durant son périple. Parvenu. Quelle est la première chose que vous avez faite en arrivant sur le sol français ? J'ai directement prévenu ma famille qui était restée dans mon pays natal. Avez-vous songé à retourner chez vous ? Pour l'instant, non, mais quand j'aurai de l'argent, je pense retourner chez moi parce que ma famille me manque beaucoup. Et quand est-ce que vous pensez rentrer ? J'aimerais bien que ce soit d'ici environ 5 ans, mais ça va être dur quand même. Et maintenant que vous êtes installé, quels sont vos projets futurs ? À part économiser et envoyer l'argent à ma famille, je pense pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Aviez-vous perdu espoir ? Oui, j'ai toujours cru que je n'y arriverais jamais. C'était beaucoup trop dur de passer la frontière avec les gardes et les barbelés. Quelle est la cause de votre départ ? La cause est qu'il y a un énorme problème d'économie dans mon pays, ce qui rend la vie très difficile là-bas. Que pensez-vous faire en France ? Je pense trouver un travail, une maison, de construire une famille et de faire passer ma famille à la frontière. Ce serait mon rêve. Merci beaucoup pour cette participation. Nous nous retrouvons tout de suite après le nouveau feuilleton Scène de ménage.